Les rats sont toujours dans Saint-Lazare. Depuis quelques mois, des dizaines de rongeurs curieux arpentent la gare, ses sous-sols et ses voies. Après un article du Parisien sur ces drôles de visiteurs, un buzz secouait Internet et des internautes inquiets. Sur le site Internet du Quotidien, les responsables de la gare expliquaient que les travaux de rénovation étaient à l'origine de ce problème. Les rats, délogés de leur voie de circulation habituelle, avaient alors pris refuge près du hall et sur les voies. Malgré la présence accrue des compagnies de nettoyage, les voies situées près des quais restent encombrées de détritus, ce qui attire les rats, même en journée. Ce rongeur a été pris en photo le 9 octobre à 13h15. Pourtant, les responsables de la gare assuraient que les rats ne sortaient qu'en soirée, quand les voyageurs étaient moins nombreux. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Comme les travaux de rénovation de la gare Saint-Lazare doivent durer jusqu'en 2011, les usagers devront donc s'habituer à cohabiter avec ces nouveaux et charmants colocataires, désormais célèbres, les rats de Saint-Lazare.